Vous avez essayé le shampoing solide, vous avez vu à la longue le cuir chevelu est tout irrité, ça gratouille et les cheveux finissent par être tout abîmés. Vous vous demandez sans doute comment faire pour avoir un shampoing solide sans SCI et sans tensioactif agressif. Dans cette vidéo, je vous propose de vous montrer comment faire pour faire une recette de shampoing solide sans tensioactif agressif et qui prenne enfin soin de vos cheveux. Ça fait partie des premières recettes que j'ai faites. Pendant longtemps, j'ai fait des shampoings solides pour moi, pour toute la famille. Et je me suis rendu compte, tout simplement, qu'au bout d'un moment, j'avais les cheveux secs. Et surtout, j'avais des démangeaisons terribles hein, au niveau du cuir chevelu. Et ça tient à l'ingrédient principal des shampoings solides, c'est le SCI, le sodium coco-isotoniate. Alors, puisque vous m'avez demandé, je me relance. Donc, j'ai revisité une de mes vieilles recettes. J'ai réduit vraiment au maximum la quantité de SCI et j'ai compensé par de l'argile et de la poudre de chicacaille, qui est une poudre lavante naturelle. Donc, on va faire la recette ensemble et ensuite, je vais le tester pendant plusieurs semaines et je vais vous dire ce que ça donne. Alors, pour ma recette de shampoing solide, j'ai préparé une infusion concentrée de feuilles de romarin qui va me servir de phase aqueuse dans ma recette de shampoing. Je vais mettre du coco glucoside qui est là, qui est un tensioactif à base de coco qui est très doux. Du Cosgard, c'est le conservateur. On va mettre aussi de l'huile d'avocat. Quelques gouttes d'huile essentielle de romarin et de baie Saint-Thomas. Et bien sûr, l'argile verte et notre SCI, le fameux tensioactif. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Un petit pouce bleu si vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Vous pouvez recevoir gratuitement mon guide Parfumer les savons avec les huiles essentielles pour vous débarrasser définitivement des gels douche. À bientôt!